Bruno Guillon, votre vie en jeu, signifie son tatouage sur l'avant-bras. Ce samedi 1er avril, France 2 diffuse un numéro inédit de votre vie en jeu, émission présentée par Nagui et Bruno Guillon. L'occasion de s'intéresser de plus près à l'ancien présentateur des Aides d'amour, et notamment à ses tatouages. En seulement quelques années, Bruno Guillon est devenu l'un des visages forts de France Télévisions. Les victoires de la musique, on ne demande qu'à en rire, tout le monde joue, chacun son tour. Point. On ne compte plus les programmes qui lui ont été confiés sur la deuxième chaîne du poste. Sans compter sur les Aides d'amour, émission dont il avait hérité après le départ précipité de Tex. Exclu du groupe après plus de 30 ans de service, le compagnon de Marion est aussi un grand habitué de la coprésentation. Lui qui a plusieurs fois collaboré avec Nagui. Ce samedi 1er avril, ils seront d'ailleurs aux commandes d'un nouveau numéro de Votre vie en jeu, qui permet aux participants de remporter jusqu'à 2000 euros net par mois pendant 10 ans. Pour ce faire, les candidats doivent répondre à des questions sur leur propre vie et aller le loin possible. Tout en comptant sur la complicité des animateurs. Car, et c'est là la grande particularité de ce jeu, les présentateurs sont aussi de la partie. Foncer dans des portes, se prendre des tartes à la crème ou des œufs. Point. Nagui et Bruno Guillon ne reculent devant rien pour guider les participants vers la victoire. La diffusion de ce numéro inédit spécial Poisson d'avril est l'occasion de s'intéresser de plus près à Bruno Guillon. Car même s'il est désormais bien connu du public, quelques mystères l'entourent encore. Parmi les questions qui reviennent le plus à son sujet, la signification de ses tatouages. En effet, cela n'a pas échappé aux téléspectateurs, le papa d'Anatole en possède plusieurs. Le dernier en date, une phrase qu'il s'est gravée à l'intérieur de l'avant-bras lorsqu'il avait 40 ans. Il s'agit d'une phrase en anglais qui signifie « Je préfère que l'on me déteste pour que ce que je suis plutôt que d'être aimé pour ce que je ne suis pas ». Comme il l'avait lui-même révélé dans les colonnes de Ouest France, Bruno Guillon possède un autre tatouage. Un micro accompagné d'une phrase en anglais des Beatles, « Rien ne bouleversera. Ne changera mon univers, mon monde, ma passion. » Enfin, son dernier tatouage. Situé à l'arrière de son bras, se résume en un seul mot, « Note, maintenant, note de la rédaction ». Toute une philosophie de vie que l'animateur a voulu se graver dans la peau.